Donc, bonjour tout le monde, ici Pika Puff Kissé pour notre épisode de Elder Scrolls Online. Et là, on est en train de se promener dans le bois de gratte, faire des side quests, faire des quêtes principales. On va checker ce qu'on va faire. Là, on doit aller récupérer un arc qui a été volé par un elfe qui l'a volé à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, on va ouvrir nos coffres. Il en reste deux, on va les ouvrir. Coup de pied de terre. La persévérance, c'est une vertu. Un émote. Puis, excellente sélection. Notre caisse. Choisissez vos récompenses, mon ami. Charge, ça c'est bien. Bien mérité. J'ai déjà. Gemme brillante. Très bien. Une caisse. Puisse la chance vous suivre. Coup de pied terre assigné. Hey, ça me donne de la place, je suis bien content. On va faire ça tout de suite. C'est juste à côté. Au lieu d'attendre 2 heures. Là. Le dolmen de la salle verte. Let's go! C'est cool! Peux-tu le faire sur mon ours? Ben oui, toi! Vous n'êtes pas digne de m'embrasser les pieds. Je suis patient, mais pas tant que ça, imbécile. Le fait. Donc là j'ai coup de pied, je veux juste voir mon amorce de coup de pied, c'est quoi? Ok, pas content. Ça a été découvert, ça, sur plan de la rue des sangliers. On va le faire. Surplomb de la ruée des sangliers. C'est considéré d'être quoi ça? Une vieille sorcière.
Narfreuse qui appelle ça, ok. Un donjon qu'on va aller dedans, puis. Wow! De toute façon, on va le faire. Deux en un. Mais là, je veux. On va faire un autre donjon, là. On va juste se rendre là, puis. On va activer le donjon. Tu as découvert la caverne de Ronsemort. Je devrais garder mon ours. Bon, on va garder mon ours, puis on va soigner avec ce qu'on a. Malgré que. D'activité. Là, on est rendu à faire champignonnière 2, c'est ça? Ok, let's go. On va avoir. C'est une chauve-souris, exotique, peut-être. Domestique, on a plein de chats. J'aime bien l'oiseau. En attente. On peut rentrer, mais on va sortir aussitôt qu'on a le donjon. Enfin, ça sert à rien. Prochain niveau. Niveau 40. On a 3 points de caractéristiques, 3 points de compétences, la boîte de style des panailles, un jeton de changement de tenue, 6000 or, déblocage de 13 fuseaux 2.
Moi, je suis prêt. Let's go! Champignolière 2. C'est un espèce de donjon dans une mine avec des... Carmois? Let's go! Ok. Are we ready? Venez ici. Vous devez quitter cette... Vous avez sans doute envie. Ok. Donc, il faut aller... trouver le premier survivant de la guilde des guerriers. Ok, let's go. C'est mauve, je vais le prendre. Des araignées! Premier survivant, you. Ah, wow, wow, wow. Premier survivant, il est là. Je pensais que moi. Ok, let's go. Les autres m'attendent pas. Troisième quête. Let's go. Des intrus. Vite. Réveillez maîtresse Bendu. C'était une. Trouvez le troisième. Trouvez une enveloppe obsidienne. Par la lame d'ébène, je vais vous tuer! Oh, je suis mort, one shot.
Wow. C'est débile ce boss là, vraiment. Voyons, calice, qu'est-ce qui m'a fait mal de même? Ça en est vraiment gossant, là. Let's go. Ouh, encore elle. Facile.
C'était-tu tout? Non, c'était pas un boss, ça, c'était pas le boss final, je veux dire. Vous n'avez rien à faire ici, païenne. L'enveloppe d'obsidienne est une pierre sacrée. Vos mains crasseuses n'en sont pas dignes. Pourquoi j'ai pas de magie? Tourne auprès de deux lames. Azarel et tous, j'ai envoyé. Je tâcherai de détruire. Tout ce pouvoir, toute cette corruption. Mettons-y fin tout de suite. Par les huit, que se passe-t-il? Je n'y vois c'est plus rien. C'est vous qui tuez mon précieux. Cette pierre appartient à ma maîtresse, Mephala. Rendez-la, et votre mort sera rapide. Nous sommes arrivés aussi vite que nous pouvions. Grâce à nos amis, tout n'a pas été perdu aujourd'hui. Vous êtes un sac. J'ai détruit son enchantement.
Ok. Puis si je le sortais, je m'en reparle. Ok, parfait. Je pense que t'es pas content parce que j'avais de la misère à suivre, mais j'ai pas fait la quête, moi, là. J'ai jamais fait ça, moi. Ah. On a... Engeance de Nephal. Qu'est-ce que j'ai... Ah, champignonnière. Qu'est-ce qu'on a débloqué? On a un chapeau léger nordique. C'est mieux que ce que j'ai. Léger, on a ça qui est mieux. Je trouve ça de la dette de l'araignée. Tiens, on va l'équiper. C'est du poison, quelque chose? On a peut-être une arme. Hache de bataille de la vipère. Dégâts de givre. Peut-être mieux que ma glace que je monte au sol, là, on s'entend. Ok. C'est quoi cette place-là? On va le faire tant qu'à y être. Là. Indice des cloches célestes, pas encore mort sur la branche. Ok. C'est quoi mes quêtes là?
Il autre ici de gloire. Roulement de mort. Le grand arbre. Il y avait un portail au sol. J'aime pas trop ça. Ok, niveau 11. Il doit y avoir un boss quelque part. Un morceau, l'arc est là et l'orc qui est là. C'est pas un orc ça? Ouais, c'est l'orc. Okay. Ok, on a trouvé l'arc, on peut l'emmener. Mais en même temps, on est dans le donjon, on va essayer de trouver le boss. Quand même potentiellement petit en plus. C'est un petit donjon, on va voir. Madruin, ça doit être lui le chef. Exploratrice de la caverne de Ronsemore, on peut sortir de ça. De bottes. Considérez l'eau. Ok.
On va l'avoir, on va l'avoir. Portez l'arc à Ortelos. Dans l'arbre. Mais comment les trouver? Il est si grand, cet arbre. Il est là. Vous avez l'arc, vraiment. Incroyable. Stork vous a-t-il donné du fil à retordre ? Il était déjà mort. Il s'est fait tuer dans la caverne de Roncemort. La caverne de Roncemort continue donc de mériter son nom. Je regrette. Stork était peut-être un sale traître et une tête de mule, mais c'était quand même un ami. Je vous dois ce que Tan Sylvestre m'a payé pour son arc. Je fais un sacré voleur, hein ? Le bâton torche d'Ortelos. C'est intéressant, ça. Là, on peut... Je pense qu'on a tout fait qu'est-ce qu'il y avait là. On peut tout simplement parler à ce gars-là. Mais je sais pas si c'est une quête qui a rapport ici ou... Redlorn court à sa perte. Je suis Annie, l'un de nos membres. Ara dirige nos efforts pour contenir ses attaques. Mais nous ne sommes pas des guerriers. Cette charrette vous mènera à Belkart, à Redlorn, où vous pourrez lui parler en personne. Aidez-nous, je vous en prie. L'astromancien. Ça, ça mène à Belkarn. Belkarn, c'est où ça? À Redlorn. L'astromancien. L'appel du guerrier. Ok, ouais, non, je vais pas faire cette quête-là. Là. On va revenir ici plus tard. Ouais. Commence à faire l'arbre de l'intérieur. Ça me tente pas plus qu'il faut dans les nombres d'ombres présentement. Comprenez-vous? Bien sûr, on trouve à Fanracine une présence impressionnante des guildes des guerriers comme des mages. Les deux compagnies possèdent des halls conséquents dans l'arbre. On va aller au deuxième étage. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire à ça. Croyez.
fait ce que vous voudrez. Je suis content que les choses se soient calmées. D'où que vient le problème ? Nathalie de Tenue. Rien d'autre à faire ça, à part ça c'est quoi, c'est le grand arbre. Je peux faire la quête de guilde. On va aller voir. Ça s'amène guilde guerrier. Guilde des mages, y'a-t-il quelque chose dans la guilde des mages à faire? Bonjour, adepte! Bon, on pourrait faire la guilde des mages, la guilde des guerriers, puis ça va être fait, là. Ravi de vous voir, adepte. Nous avons besoin de votre aide. Valast a traduit le dernier livre? En quelque sorte. Valast a traduit le tome de Sheogorath. Mais nous avons bien du mal à en saisir le sens. Elle aura peut-être besoin de vous. Allez la voir dès que possible. Où puis-je la trouver? Valasté est à la guilde de Feuilleret. Elle cherche une solution. Retrouvez-moi là-bas, adepte. Quel est le problème? Le dieu fou est dérangé du ciboulot, voilà le problème. On ne trouve pas beaucoup de textes véritables. Les deux derniers avaient des indices que nous aurions pu utiliser pour démêler ces inepties. Celui-ci ne contient que des élucubrations. Ok, faut que j'aille où? Le cirque du joyeux massacre. Qu'est-ce que c'est ça? Marbruck. À présent, ok. On va aller là. Que rien. Faut juste aller là-bas. On va aller là-bas. Valas qui se trouve ici. Je suis ravi que Chalidor vous ait trouvé. J'ai besoin de votre aide. Qui a-t-il ? Sheogorath. Il a rendu cela insoutenable. J'ai traduit le dernier livre que vous avez retrouvé, mais il n'a aucun sens.
Je ne trouve aucun indice qui puisse nous guider vers notre prochaine épreuve. J'ai dû manquer quelque chose. Et si je le disais ? Je vous en prie. Le cirque du joyeux massacre est là, sur le bureau. Prenez garde. La perfidie du dieu fou ne connaît aucune limite. Je ferai attention. Bonne chance, mon ami. Le bonheur dans la... Wow! Solo. Bienvenue, bienvenue au cirque du joyeux massacre. En scène, mon ami mortel, le spectacle va commencer et c'est vous la vedette. Un spectacle? Quel spectacle? Vous allez jouer ma pièce. C'est moi qui l'ai écrite. Je l'appelle La folie de l'isolement. C'est à la fois une tragédie et une comédie. Une tramédie. Pourquoi fais-je cela? Vous voulez le tome suivant, non? Et moi, j'ai besoin de distraction. Au bout d'un moment, mettre le feu au prince Mali, là, ça devient lassant. Je suis sûr que vous comprenez. Que voulez-vous que je fasse exactement? Avant de parler de votre motivation, nous devons planter le décor. Le décor... Tamriel! Les trois alliances sont en guerre, et la gentille petite guilde des mages veut rester neutre. Elle veut rester indépendante. La pièce parle des alliances? Oh, vous écoutez ce que je dis? Alors, c'est une pièce en trois actes. Dans chaque acte, vous isolerez la guilde de ses fils de verre à soie assoiffé de sang politique et belliqueux... en les tuant... En les tuant, mais en tuant qui? Oh, tout le monde! Jusqu'aux fâcheux eux-mêmes! Mais rappelez-vous, suivez la trame. Ne tuez personne si ça ne fait pas partie de la pièce. Allons, en route! J'ai hâte de voir votre performance. Tenez, Malil va vous éclairer en chemin. Ok. Mon âme, sans bras! N'oubliez pas d'allumer le brasero! Oh, imbécile. Ha! Apparemment, il n'a pas pris une ride. Je vous retrouverai un peu plus loin. À Corabrum, la ville du parc pleine d'animation. Ok. Pouvons-nous lever le rideau et entamer le premier acte? Je suis prêt. Notre préambule met en scène le pacte de cœur ébène. Oh, ça rime. Je suis un poète et je ne le savais même pas. Vous voulez que je combatte l'Alliance au complet? Ne soyez donc pas présomptueuse, mortelle, ou je vous bannis sur l'île des barres de libidineux. Bon, comme je le disais... Le rideau se lève sur nos amis du cœur ébène en paix. Tous sont alliés, mais historiquement, ils sont à couteau tiré depuis toujours. S'ils sont à paix, que puis-je faire? Esclavage, échauffourée frontalière et lutte intestine les ont placés au seuil du chaos. Il suffira de les... pousser un peu. Je me suis donné un rôle petit mais essentiel, si vous voulez bien m'excuser. Vous vous détestez! L'avez-vous oublié? Ah oui! Attrapez-les! Tous les acteurs de Pacte de Reben. Allez-y! Joignez-vous à ce fracas! C'est votre moment de gloire! On action! Dispersez-vous! Se sépare. Mettez-y le feu.
splendide. Attendez un instant. Quelqu'un approche? Pourquoi vous battez-vous, sale chien buveur de lait? Oh, rien de plus simple, mon roi. La guilde des mages est responsable de cette querelle de clocher. La guilde des mages? Ce doux chiot! Si vous cherchez des ennuis, vous les trouverez pour le pacte. Dépêchons, le spectacle doit continuer. Ok. Deuxième acte. Ce ne sont pas mes terres. Je veux rentrer chez moi. Ce n'est pas en feuilletant des livres toute la journée que vous gagnerez votre vie. Il faut gagner des sous, Valast. Les mages eux-mêmes lèvent le nez de leurs livres de temps à autre. Vous ne supportez pas la présence d'autrui? C'est pathétique. The fuck? Votre esprit est exceptionnel, Valasté. Nous ne rencontrons que très rarement des mœurs de votre qualité. Nous avons accepté votre candidature à rejoindre notre auguste et glorieuse guilde des mages. C'est mon jour de fierté, maître de guilde. Je vous en remercie. C'est pas elle qui nous a envoyé ici, genre? Maudit soit le dieu fou! Je ne parviens pas à déchiffrer ce texte! Quel idiote je fais! L'heure de l'entracte a sonné. Puis-je vous offrir un morceau de fromage? On ne peut pas avancer un peu? Pas le temps de bavarder. D'accord, d'accord. Cet acte nous présente le domaine Aldmeri. Des chats et des elfes. Oh, je n'ai jamais aimé l'un ou l'autre, à vrai dire, mais trop de poils, trop d'ego. Et mon rôle est de tuer d'autres de vos acteurs? Voyons comment l'intrigue avance. La scène. La reine et reine parlent à certains de vos pairs. Puisque vous maîtrisez comme personne l'improvisation, vous devriez répondre à ces sincères déclarations comme vous l'entendrez. Et... action! La guilde des mages ne peut pas attaquer le domaine si facilement. Vous faites partie de ce monde, que cela vous plaise ou non. Ma reine, vous ne comprenez pas. La guilde ne fait partie d'aucune alliance. Nous cherchons simplement à étudier en retrait. Hé! Hey, silence devant! J'essaye d'écouter le discours de la reine! Soit vous êtes allié au domaine, soit vous êtes son ennemi. Préférez-vous en finir avec votre vie? Soit, je vais le faire à votre place. Je vais vous montrer la voie directe vers l'exil. Vous ne pouvez faire fi du monde qui vous entoure. Hé, hey, Renette! Vous avez raté un mage! C'est aussi un membre de la guilde! Ah, bonne prise, bouffon. Soldat, offrez à ce mage le présent de l'exil. Wow! Enflammez-moi ça! Enflammez ça! Quelle outrecuidance! Razumdar, capitaine Audret, occupez-vous de ce cerf. Hey, Razumdar! J'avais tué mon chat adoré, un animal pourtant si fidèle. Capitaine Adop. Je vais devoir m'en charger personnellement. Venez vous mesurer à Eren Arana Aldmeri au sommet de sa gloire. Jesus. Ok. Ulfsild, j'ai réussi. J'ai créé un sanctuaire, un asile qui résistera une éternité. Je l'appellerai Eyevera. Chez Ogorath, le Folium Disconitum ne valait pas une île.
je reprendrai Eyevea. Même s'il me faut 3 vies pour y parvenir. Maudit soit le dieu fou! Maudite soit Ulfsild! Je les maudis tous! Ils verront bien tous autant qu'ils sont! L'archimage Chalidor marquera son nom dans l'histoire! Vous n'êtes pas rentré la nuit dernière. Je vous ai attendu toute la nuit. Étiez-vous occupé à travailler pendant tout ce temps? Chalidor, Eyevea est perdu. Vous êtes obnubilé. Pouvez-vous au moins m'entendre? Je peux plus continuer ainsi. Vous montrez bien plus d'affection pour vos sorts et parchemins que pour moi. Je vous quitte. Vous m'entendez? Adieu, vieux fou stupide. Ulfsild, mon amour, j'aurais juré vous avoir entendu. Où êtes-vous parti? Oh, le troisième acte me rend toujours triste. Comment cela? Parce que cela signifie que la pièce touche à sa fin. Je m'amuse tellement que je voudrais ne l'avoir jamais finir. Sans parler des scénettes de transition, avez-vous apprécié mes petites représentations illusoires? Très, très enrichissantes, je trouve. Oui, oui. Et dans cet acte, que dois-je faire? Je pourrais vous le dire, mais je vais faire mieux que ça. Je vais vous le montrer. C'est toute l'essence de la narration. Montrer, ne pas dire. Vous vous croyez dans une pièce amateur? Franchement, je ne sais pas. Eh ben non, c'est une production très professionnelle, dont vous êtes la vedette. Je vais planter le décor. Nous improviserons ensuite. Rappelez-vous, montrer, ne pas dire. Mm-hmm. À gauche de la scène, nous avons Vanus, fondateur de la Guilde des Mages. À droite de la scène, nous avons votre très très vieil ami, l'archimage Chalidor. Et au fond, nous avons Valasté, votre nouvelle amie et confidente à la Guilde des Mages. Qu'est-ce donc? Mais c'est le roi Emeric et ses amis de l'Alliance de Dagphilante. Oh, pour sûr, il a de tendres paroles à partager. C'est à vous, Majesté. Pour avoir fait usage de sorcellerie, nous vous condamnons au bûcher. Que votre corruption soit purifiée de cette terre, une bonne fois pour toutes. Tout le monde vous rejette, on dirait. Ha ! Voici comment se déroule la scène finale. Sauvez vos amis, je vous donnerai ensuite mon livre. Allumez ça! C'est bon, on va les sauver. Sheogorath est bien plus malin que moi. Devant lui, je ne suis qu'un enfant. J'ai besoin d'aide. Où est-ce qu'ils vivent les orques actuellement? J'ai hésité à abandonner l'île pour elle. Elle ne m'a jamais laissé la chance de décider.
Ouais, ok, on va parler à Shigarat. Je veux savoir le livre. Bravo! Mes félicitations à l'auteur! Et, mais j'y pense, il s'agit de moi. J'ai fait ce que vous voulez, puis-je avoir le tome à présent? Je ne sais pas. J'ai trouvé que votre performance manquait de conviction à certains moments. Et vous avez refusé de manger du fromage avec moi! Nous avions un accord. Oui, oui, oui. Vous m'avez bien fait rire et pleurer. Et donner un coup de pied à Malil dans la tête, je ne pouvais vraiment pas demander mieux. Prenez votre livre. Ne mangez pas tout d'un coup. Comment puis-je partir d'ici? Ce livre vous ramènera d'où vous veniez. Il connaît le chemin. Mais rappelez-vous, petite actrice, il reste un dernier livre. Si vous trouviez ma pièce cruelle, attendez de voir la suite. Vous êtes malade? Ok. Retournez voir Valast. Tiens, j'ai ton livre. Que s'est-il passé? Où étiez-vous? Sigarat m'a fait subir une épreuve de plus, mais je détiens le troisième livre. Oh, j'ai presque peur de vous demander ce qui s'est passé. J'espère que cette épreuve n'a pas été trop pénible. Je vais de ce pas m'attaquer à la traduction de ce livre. Il nous reste encore une épreuve à surmonter. Beau travail. À nous de l'acteur. Plus qu'une seule épreuve. Quand nous aurons fini d'explorer la folie de Sheogorath, nous vous le ferons savoir. Valast, vous faisiez partie de ma dernière épreuve. Vraiment? Qu'est-il arrivé? Sigarath m'a forcé à sauver des copies de vous, Vénus, Galerion et Chalidor. Plus nous avons affaire à lui, plus je suis convaincue que le dieu fou n'est qu'un enfant gâté, s'amusant à arracher les pattes des insectes pour le plaisir de les voir se convulser. Il s'est passé autre chose? Il m'a fait attaquer des visions, des alliances, même les chefs. Une sorte de commentaire à propos de l'objectif de Chalidor, sans doute. C'est peut-être un enfant, mais Sheogorath sait se faire entendre. Okay. Là, on a un anneau. Qu'est-ce qui reste? Ça c'est fait, on peut foutre le camp d'ici. Retourner au grand arbre. Je pense qu'on va vendre, réparer. Puis on va arrêter ça.
fois, je suis. Donc moi je vous dis merci d'avoir été tout le monde, puis pique à tous, et à la prochaine.